Chers amis, on savait l'équipe de Michel Derzakarian sur la pente ascendante au niveau des résultats ces dernières semaines. On le savait, mais on n'imagine pas que ça prendrait concrètement une telle dimension cet après-midi au stade Louis II. Évidemment, compte tenu du classement de nos adversaires de ce dimanche, on nous promettait discrètement, mais on nous promettait quand même la mer et les poissons sur nos têtes. Eh bien, le mauvais temps, il est tombé dans les têtes monégasques. Il a fait soleil de minute en minute dans les esprits des joueurs de Michel Derzakarian qui ont réussi une performance majuscule cet après-midi au stade Louis II. De toute son histoire, nous n'avons pas souvenir d'une victoire 4-0 face à des monégasques qui étaient et qui restent du reste quatrième au classement. 4 buts avec le premier marqué par Arnaud Nordin à la 27e minute. 1-0 à la pause. Et puis, il y a eu ce but de Mawassa qui a donné plus encore espoir. Le doublé de Nordin une dizaine de minutes après. Et le quatrième but inscrit par Steffi Mavididi qui était remplaçant au coup d'envoi et qui a marqué de son empreinte une fois de plus son passage en principauté. 4-0, bien sûr, ça a commencé aussi par des arrêts très importants de Benjamin Lecomte dans le premier quart d'heure de ce match, la seule période de cette rencontre véritablement relativement indécise. Mais pour le reste, les Monégasques sont passés à côté de leur sujet, mais ça ne dévalorisera certainement pas la performance hors norme du MHSC qui gagne cet après-midi 4-0. Chapeau, bravo, il n'y a pas d'autre mot.